Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. Pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Don't Be Afraid. Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Français, je suis content. Salut David, je suis un ami de ton père. Tu peux m'appeler Monsieur Franklin, ok? Je sais que tu te sens peut-être un peu bizarre, mais c'est parce que je t'ai donné un médicament particulièrement puissant. Ne t'inquiète pas, nous allons juste jouer à un petit jeu que je t'ai préparé. Les enfants aimeraient vraiment te voir, tu sais. Oh mon Dieu, je dois encore vérifier une chose. Pour pouvoir me concentrer uniquement sur toi pendant notre petit plaisir. Dors maintenant et souviens-toi, n'aie pas peur. Don't be afraid. Don't be afraid. Je te laisserai jamais seul. Dis bonjour à ta nouvelle amie. Elle te tiendra compagnie. LT. Ah. Commence bien. C'est aller vite. Ah. La patience a cessé de faire du bruit. Après l'ouverture du visage, j'ai dû enlever complètement les orbites pour pouvoir agrandir l'ouverture de la bouche et coudre des dents supplémentaires. Prends le couteau.
Pourquoi je peux poigner ça? C'est la porte, le porte-clés. Vous aidera à transporter toutes les clés que j'ai cachées. Il fait trop sombre, c'est effrayant. Et voilà, mieux vaut tard que jamais. Que le spectacle commence! Ready to go. Salut Bendy, comment ça va? Je toucherai pas ça tout de suite. Bien, bien, il te faut trouver la clé, ben, je me doute. Qu'est-ce que tu fais de bon, mon Bendy? Je pensais que deux. Ok, je vais prendre ça en photo. Je pense que ça rapporte avec la porte électronique. Rien pas en tout. Et voilà. Je n'ai rien pour transporter ça. Ok. Alors, un verre.
que ça dit. Non. Donc quelqu'un qui poignarde quelqu'un d'autre. Ok. Quel garçon intelligent. Pas de l'air sincère. Discret avec les flèches. Mais y a rien qui m'aide là-dedans plus qu'il faut. Hein. On va regarder s'il y a d'autres. Oh, il y a rouge puis vert. Ah, l'eau a arrêté, je viens de comprendre. Hein, je vais regarder ici s'il y a quelque chose d'autre. Mais il y a une porte que. Oh. Il n'y a rien pour transporter ça. Ok. Ici. Non, pas ici. Plus loin. Ici. Pour mascotte. OK. Ok. On va essayer quelque chose. Avais-tu compris ça de même, toi, pareil, ou pas nécessairement? C'est ça, ça marche pas. Anyway. Yes.
Franklin, je t'ai acheté ce livre. Comme tu l'as demandé, je te l'ai laissé dans la salle des professeurs. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai besoin de te parler. À bientôt, Théodore. Il faudrait le couteau. Toutes les bras dans les airs. Ah, c'est dans les airs, ça. Qu'est-ce qui a changé, David? Sérieuse, toi. Parce que je pouvais passer derrière lui. Chris. Voyons. Petit Chris. Une clé. Il y a quel garçon intelligent, la clé sanglante. Ah! Assez vite, il faut d'abord la libérer. Ok, on dirait que ça bouge pas tout de suite. Numéro 1 doit être par en bas, mais comment je le fais mettre par en bas, c'est ça une autre histoire. J'ai nos clés, mais j'ai... Le problème, c'est que j'ai pas de porte. Thank you.
C'est ça que c'était. Merveilleux, David, tu te rends si fier. Ça me donne rien. As-tu pu l'ouvrir, l'armoire de tantôt? Non. J'ai pris une clé ensanglantée, j'ai venu ouvrir ça, puis. Le sac à dos, ça serait pour ça, là. C'est-elle? Changer de bord, lui, là. Bon, c'est ça que c'était. J'ai coupé cette petite musique-là. Je peux transporter diverses choses. Bon. Ah! Il y en a qui est libéré, lui, il l'est pas. Tantôt, ça disait pour la manette 1. Ben, 1, ça disait la 1, faut la mettre par en bas. Calice. Ciseaux. C'est pour ouvrir la porte qui est là. Ciseaux. Bon, j'ai pas de ciseaux. Est-ce que je peux ramasser ça? Non. Mais je vais aller chercher quelque chose. Il y a deux choses que j'ai vues à date, puis je pouvais pas ramasser. Ah, cassette X. Cassette quelque part, j'ai pas vu dans ta main. David, façon de petite pause, d'accord, je dois t'avouer quelque chose. Tu n'es pas le premier enfant à jouer dans ma cour de récréation. Pourquoi je veux que tu saches combien je m'amuse avec les autres enfants. Nous ne reviendrons à notre divertissement que lorsque tu auras écouté cette cassette. Ah, la cassette est là. Maintenant, ne bouge pas, écoute cette cassette. Après seulement, nous retournerons à notre petit délire. Ok. Qu'avons-nous ici? N'êtes-vous pas un peu trop vieux pour moi? C'est moi, c'est pédophile en esti, hein? Va te faire foutre. Ah, je me demande si tu serais aussi bavard quand je t'enlèverais la langue. Théodore, prends-le. Je n'ai pas la force de détruire un si beau visage.
You're in the line just behind Jamie. Je te plaisante, tu es dans la file, juste derrière Jamie. Bon. Quelque chose à ramasser ici. T'as bougé tout seul, toi? Masse de psychopathe. Bon. Tantôt, j'ai cliqué sur de quoi je pouvais ramasser, puis je sais plus c'est quoi. Ouais, c'était ça. Dessin d'enfant avec un monstre. Oh, ça, j'avais pas vu ça, mais ça. J'ai pris ça en photo. Ouais, celui-là, je l'ai pris en photo. Le 2 là et le 1 là. Ciseaux. Ah, la porte, ça, j'ai pas été. Ciseaux. Trois rouges. C'est-tu bien si... C'est bien une question s'il n'est pas activé par rapport à la porte de tantôt. Un poisson. Clint, nous attendons toujours la réponse. Maman est malade et son état s'aggrave. Merci de nous répondre. Tu peux appeler si tu veux. Je t'ai laissé mon numéro une fois. Si tu as été encore des... si tu as encore des soucis, fais-le moi savoir. Maman et moi t'aimons. Je t'aime. Et là. Bon. Il faut que je mette ça dans les mains d'une marionnette. D'un mannequin plutôt. Et j'imagine. Et pas lui. Et pas lui. Toi? Il y en avait un. Attends, là, j'avais. Il y en a deux tantôt, là. Lui? Non, elle a son calice. Oh, toi! Parfait, tu te rapproches de plus en plus, mon champion. Je rapproche, mais ça n'a rien donné, là. À moins que ça fasse bouger le deuxième...
On va retourner à la salle plus loin. Échappe son couteau, puis... Chauri. Tu te rappelles de ça, t'es une statue en or, pas de tête? Je me rappelais pas qu'elle avait pas de tête, là. Bon, ici. Le 2, ça disait quoi? Par en haut. J'ai pas de contrôle. Une clé. Oui, tu l'as fait, quel bon garçon. Le mannequin m'aide à me détendre. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas parler, mais qui racontent des histoires intéressantes. S'ils sont bien disposés, tu sais que je ne suis pas doué pour les contacts sociaux, alors s'il te plaît, éloigne-toi de moi et laisse-moi me sentir normal. La clé de la porte du sous-sol. Le problème, c'est... Aucune idée, elle est où la porte de ce sol? Ah, ça disait d'être là, libérer la fin, c'était marqué là. Belle fesse. Maudit tabarnak. Du faux sang.
Bon, on se retente ici parce que là. Tabarnak, hein? Sous-sol, clé du sous-sol. Comme s'il faut y mettre de quoi dans la main. Tantôt, il y en avait un qui une balle, il était là, puis il a disparu. Ouais, mais il a disparu, ça. À moins que je retrouve le mannequin avec la balle. Ah, c'est-tu, il est là, tabarnak. Fucker, tantôt, j'étais là, puis je l'ai pas vu. Je demande. Pire, je sais pas. Intéressant, intéressant. Et voilà. David, mon garçon, pour gagner la partie, t'es juste. T'es préparé de toi, suivre les chiffres, s'il te plaît, trouve le numéro 1. Ok, trouve le numéro 1. Numéro 3. Il parle des numéros du mannequin. Il parle des mannequins. Numéro 2.
Alors ça, fallait peut-être y donner du sang. Il donnera pas de sang. C'est lui. Trouve. Si je clique là-dessus, je remonte en haut. Non. Okay. Non, faut que je suis ici. Il disait trouve le numéro 1. J'ai trouvé le numéro 1. Voilà, je me fais tuer. Qui dans la face. Aha. Des fois, c'est si simple, mais compliqué à la fois. Oh, you
Tu as trouvé le numéro, hein? Bravo! Écoute la cassette. Je l'ai pris de la main du mannequin sur le corps où le chiffre 2 a été inscrit. Oh, Sarah, ne pleure pas, s'il te plaît. Tu dois pardonner à l'oncle K. Il est juste trop fort. He's just too strong. Il voulait juste caresser ta petite tête. Regarde, regarde, on s'amuse encore. Lève la tête, je veux te présenter à ta sœur. Et en bleu. C'est trop simple, c'est frère. Bon. Pognons-nous les chandelles. Verrouillé. Était unique pour moi, je ne voulais pas te faire de mal, mais t'aider à éviter la mort aux mains de la justice. De ma main, rien de tout cela se serait arrivé si tu n'avais pas aidé Grigory à couvrir ses traces et mentir. J'ai tant fait pour toi et tu continues de crier, de t'enfuir. Je t'ai fait une belle chambre au sous-sol. Tu as une télévision chaque soir, je viens te lire des livres, je ne te nourris, tu devrais sentir... Mon amour pour toi, on se voit de l'autre côté, frérot. Bon, okay. Il n'y a pas de chandelle, ce bon site, je comprends. Oh. C'est là la chandelle. Bon.
C'est une de ceux-là qui arrête l'eau. Voyelle. Je peux pas me rapprocher de ça. Qu'est-ce que je peux ouvrir avec cette putain de clé-là? Une clé rouillée, tu as une manière de la dérouiller? Putain. Très bien. Assez vite, David. D'abord, tu dois jouer avec mon frère le plus cher. Mais n'oublie pas, il aime jouer à la dure.
Cette clé ouvre à moi la porte qui mène à l'étage. Ah, c'est ça. Il y en a deux. Non, on n'a pas mangé, mais il l'a cloué au mur du couloir avec des couteaux, probablement pour le plaisir. On est beaucoup attendu, Franklin, mais je n'ai jamais entendu un tel cri. Heureusement, il a cassé le cou de l'autre enfant. Il a commencé à le manger. Intéressant. Rien que vérifier quelque chose rapidement. David s'est réveillé, il avait faim, il a décidé d'aller à la cuisine pour prendre une petite collation. Ok, ouais. Il reste encore beaucoup de temps. C'est tout pour l'aventure du jeu. Don't be afraid. Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!